Il y a quelques jours, le roi du Maroc, Mohamed VI, aurait été aperçu vers les côtes espagnoles, plus précisément au niveau de l'enclave espagnole de Ceuta. Une éruption que les autorités espagnoles ont d'ailleurs perçue comme une violation de leur territoire. Une enquête dans ce sens avait même été exigée par des parlementaires espagnols. Cet épisode intervient quelques jours seulement après la diffusion d'informations indiquant que la santé du roi ne serait pas des meilleures, notamment après la seconde opération de cœur subie par le souverain, cette fois dans son palais de Rabat. Une intervention synonyme selon certains journaux de faiblesse physique du roi. Cette situation avait même entraîné la question de savoir si le roi n'allait pas léguer le pouvoir à son successeur, le prince héritier Moulay Hassan avant l'heure. Alors que cette question de succession est au cœur des discussions, l'on apprend par le canal Bladi que le fils du roi est arrivé à la résidence royale de la plage Bouscour. Le journal révèle que le roi Mohamed VI est attendu cette semaine à Al Hoceima et que plusieurs voitures de luxe appartenant au palais royal ont déjà été aperçues sur place. Selon Bladi, qui reprend Al Jarida 24, le prince héritier Moulay Hassan serait arrivé en premier à la résidence royale de la plage Bouscour, où les autres membres de la famille royale devraient le rejoindre pour y passer une partie des vacances d'été. Outre l'important dispositif de sécurité qui a été mis en place, il a été souligné que les autorités locales ont commencé à embellir les ruelles et avenues de la ville pour accueillir le roi Mohamed VI.